T'as pas serré, t'étais amoureux de deux personnes dans les lieux. Qui étaient. Ah, coupe ça, coupe ça. J'ai une anecdote. Ouais, mais chouma. Ah, vas-y, c'est quoi? Ah, mais ça m'a. Tu veux me faire passer, tu veux me dénigrer, tu veux quoi en fait? T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris. Non. Wallah. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Coucou les filles. Et je suis avec Sarah et. Brahim. Et Mickaël. Et tout à l'heure, elle m'a tué de rire, elle a dit... Mika. Tellement on est des ploucs, on est venu dans un studio, et d'habitude, dans un studio, il y a une équipe de prod. Mais tellement on est des coincés du asses, et ben on a dit, s'il vous plaît, on est... Enfin, Mskina, la fille, elle savait déjà, elle savait comment j'étais, du coup, elle a prévenu les gens, elle leur a dit, est-ce que vous pouvez les laisser seuls? Mais ils ont jamais fait ça, normalement, il y a des gens qui sont censés être là pour le son et tout, ça se trouve, on nous entend même pas. Mais bon, c'est pas grave, un jour, je réussirai à être à l'aise en société. Donc là, non. Là, il y a un sandwich. Sandwich. Pain olive, mozzarella, tomate. Mm-hmm. Là, pour celui qui veut un petit peu, hop, on le met là. Ah, t'as pas pris les mêmes pour tout le monde. Ça, tu peux montrer avant de le bouffer. Attends, tu peux le montrer. C'est au saumon. Là, c'est saumon norvégien et pas alsacien, avec du fromage et de la salade et un geste de citron. Un geste bien placé. Un c'est zeste. Normal. Et là, des pains en choco. On dirait un raton laveur qui l'a mangé. C'est moi. Pain chocolat, Minute Med, café pour moi. Mais ça vient d'où ça, Soukaina? Maison Kaiser. Non, mais ah non, c'est Mickaël qui l'a. Ah ouais, ah bah oui. Ouais. Passe-moi le. En fait, je vous explique quand vous venez d'arriver. Passe-moi le Minute Med. Là, pardon. En fait, je vous explique, quand on venait d'arriver, et ben, ils nous ont dit, genre l'équipe et tout, ils nous ont dit, alors c'est quoi le concept de la vidéo? Mais nous, on n'avait aucun concept. Bref, je peux vous dire que là, on filme sans concept. Et après, ils ont dit, vous avez pas ramené à manger? Et après, on a dit si, et on a envoyé Mickaël aller chercher à manger. Non, je mange, elle a commencé déjà à manger. Non, tiens, mon partage, je veux pas. On va quitter les lieux. On va couper ce passage-là. Il ne reste même pas une heure, allez-y. Vraiment, ce passage-là, coupe-le, Ibrahim. Bon. Putain, il y a du boulot avec toi, Ibrahim. Ouais, non, c'est plus wow. Bon. Parce que là, tu... On coupe tout, hein. Ouais, mais... Alors, concept de la vidéo, on se dit des années... Alors, il faut savoir que déjà, on ne vous a même pas présenté qui c'est. Alors, ça, c'est mon cousin. Ça... Et lui, il dit rien. C'est normal. La bouche pleine. Et bon, quand c'est fâché, bon, c'est vrai qu'il a un peu déconné, voilà. Mais aujourd'hui, tout s'est arrangé et on a... J'ai reçu des menaces en interne et tout s'est arrangé. Non, c'est-à-dire... Crève l'abcès, voilà, on s'est pris la tête sur les réseaux, voilà. On s'est parlé en interne. Voilà. Et tout va mieux. Tout va mieux. En fait, au fond, en fait, Mickaël et moi, on était hyper proches et on s'aimait beaucoup. Et ensuite, on ne s'est plus parlé pendant des années. Et ensuite, il est revenu et... Quand il est revenu, je sais pas pourquoi. Moi, c'est toi qui veux crever la pierre. Moi, je me suis permis de pas mal parler sur toi, mais enfin si un petit peu. J'ai mal parlé sur toi parce que t'étais pas, enfin j'étais un peu choqué, mais tu fais rien de mal, sauf que j'étais étonné de te voir un peu sur les réseaux avec un faciès que j'avais pas l'habitude de voir. Oui, avec mes lèvres. Avec tes lèvres, avec trop de maquillage et chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun se maquille, mais t'étais très naturel. Et là, quand je t'ai vu sur les réseaux, j'avais l'impression que c'était pas Soukaina avec qui j'ai grandi. Physiquement, après, tu fais ce que tu veux, juste que j'étais pas habitué à te voir comme ça. Et je parle pas de ton caractère, tu l'as pas changé, t'as toujours été comme ça. Mais juste physiquement, ce que t'as fait sur tes lèvres et le ton de maquillage que tu mets, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que je t'ai pas reconnu, tu vois. En fait, les filles, c'est juste que moi, j'ai 25 ans et c'est vrai que toute ma jeunesse, je me suis pas maquillée. Et toute ma jeunesse, j'étais un peu atypique comme fille. Je restais que chez moi, je sortais pas beaucoup, je m'enfermais tout le temps. J'étais un peu, voilà, j'avais plein de petites phobies, de petits trucs et tout. Et du coup, Mickaël, bah, il était habitué à cette Soukaina-là. Et d'un coup, quand il est venu, bah, il m'a vu un peu apprêtée. Et c'est vrai que j'ai, bon, il mes lèvres. Bref, là, tout va bien. Non, tu t'es excusée. Ouais, tu fais ce que tu veux. Moi, on ce a réglé. Ouais, c'est juste oui, c'est bon, lèvres. C'est pas grave, on va pas parler de ça. Alors, maintenant, concept de la vidéo, on se dit des anecdotes. C'est parti. Moi, je me rappelle d'une anecdote. J'étais chez Soukaina, comme on a vécu ensemble. Et Soukaina, elle avait du mal à manger.
Parce que le on mange ensemble et tout, là, avec Shema et tout, Inch'Allah. Là, elle mangeait pas beaucoup quand elle était plus jeune. Elle mangeait pas grand chose, tu vois. Et la petite dame, elle se bataillait avec elle pour qu'elle puisse finir ses repas, son dessert. À chaque fois, c'était une bataille. Ma vie, ma bataille. Je t'ai dit, j'étais un peu spéciale avant. Oh, je vais tout casser. Et Soukaina, Ibrahim, une fois. Ibrahim, faut pas sur mon visage, je vais dépisser. Tu vas pas vendre Ibrahim. Et Soukaina, une fois, en fait, on peut dire la vérité. Ouais. La petite dame, elle allait au travail et Soukaina, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle jetait à manger à la poubelle. Malheureusement, parce qu'elle pouvait pas finir. Elle jetait, ou des fois, c'est moi qui finissais. Et une fois, là où la petite dame. Ses yaourts. Attends. Là, une fois, la petite dame, elle a tout cramé que Soukaina, elle mangeait pas tout, qu'elle jetait à la poubelle. Parce que maman, j'ai tout mangé, c'est vrai, Benti, ouais, c'est bien. Une fois, elle a tout cramé, elle s'est dit, Soukaina, tu manges pas, c'est pas vrai, dis-moi ce qui se passe. Elle a découvert, hein, parce que Soukaina, quand elle mange le yaourt, elle laisse toujours la moitié, elle jette à la poubelle la moitié. Une fois, j'étais chez elle, le yaourt, il n'y avait pas un gramme de yaourt dedans. C'est comme si tu l'avais lavé. Moi, j'avais mangé son yaourt, je l'avais lahas comme pas possible. J'ai pas laissé un gramme, alors qu'elle, elle laisse la moitié. Et la petite dame est tombée dessus, elle a vu le yaourt, elle a dit, Soukaina, tu finis jamais un yaourt comme ça. C'est quoi l'histoire? Et voilà comment c'est. Ouais. Oui, mais c'est parce que ma mère, j'avais des problèmes, les filles, avec ma nutrition et tout. Et elle voulait absolument que je finisse. En fait, elle contrôlait pour voir si je finissais vraiment. Je vous ai dit, j'étais un peu spéciale avant. Parce que tu mangeais pas grand chose aussi. Ouais, je mangeais rien. J'étais limite anorexique. Hein. Et après, j'ai pris beaucoup de poids d'un coup. Et après, bref. J'ai un rapport à la nourriture un peu spécial. Mais là, alhamdoulilah, tout va bien. Si les anecdotes sont aussi nulles, j'arrête là, mange pas. Ah mais c'est quoi ces anecdotes là? Bah je m'attendais à des trucs de ouf. Ah bah vas-y à ton tour, on fait la queue comme ça. Attends, non, t'étais là quand on a dansé au Maroc, il y avait le mariage de je sais pas qui. Il y avait tout le monde qui dansait. Mais à un moment donné, j'ai serré, je sais pas ce que j'ai fait. T'as pas serré, t'étais amoureux de deux personnes dans les lieux. Qui étaient. Coupe ça. Ah si. Ça c'est un problème. Non, c'est pas moi, mais c'est ça des vraies anecdotes. Coupe pas ça. Ibrahim, écoute-moi. Hey. Ibrahim, s'il te plaît. N'aie pas peur de lui, Ibrahim. Ibrahim, il y a un seul duo ici, c'est toi et moi. Bon, il y a un trio, c'est toi, moi et Sarah. Tu n'écoutes que nos instructions à nous, s'il te plaît, avec tout l'amour et la familiarité qu'on te doit. Toi, tu parles pas, Ibrahim. J'ai envie de l'imiter comment il dansait, mais voilà, c'est mon ventre, je viens de manger. C'est simple, il mettait sa langue dans sa joue comme ça. Ouais. Il faisait ce geste-là, ouais. Ouais, t'abuses. Très gênant. Voilà, que tu faisais j'ai fait ça. Je te jure que quand tu dansais, il faisait ça. Ouais, comme ça, exactement. Elle a vu un film, elle me l'a associé à moi. Et quand il prenait des photos, les filles, je vous explique, ses photos Facebook à Mickaël, il mettait toujours un cure-dent comme ça ici au bout de la bouche et il prenait en photo comme ça. Toujours. C'est vrai. Tu ouais. prenais il fronçait les sourcils beaucoup. Tu te rappelles qu'on est parti à un mariage turc de ma famille? Ouais. T'es venu un tailleur 25. Un tailleur trop grand pour toi, l'autre avec un tailleur, avec les épaulettes, t'as Végéta, grosses épaulettes. Ils ont dansé une danse turque ou kurde, les deux. On a mis des tailleurs d'hommes, Sarah et moi. Mais ils connaissent l'anecdote. C'est le jour où on s'est habillé en mafieux. Ouais. Et Soukaina, elle avait les petits doigts tout rouges. Tout rouges, ouais. Parce qu'ils lui ont déglingué les petits doigts. Ouais. Hey, Guirier. Ok. Je m'étais mis à côté des filles qui ne m'aimaient pas, je crois. Attends. Mon emparte de toi, t'étais où? J'étais à table, en train de manger. T'étais où? Tu te souviens de lui, toi? Non. Moi, je me souviens qu'il nous avait déposé au mariage. Après, j'ai plus de souvenirs de toi. J'étais à table. J'ai aucun souvenir de. J'étais à table. Nous, au moins, on est parti danser, tu vois, on a contribué au mariage. Tu te rappelles, Mickaël, quand j'étais dans mon balcon, j'étais en train de chanter. Et une fois, j'étais dans mon balcon, j'étais en train de chanter. Sous le ciel de cristal, je me sens si légère. Je crois qu'on a compris ce que tu chantais. Et là, il y a quelqu'un qui a crié dans le balcon. Mais elle veut pas fermer sa grosse gueule, celle-là! Ferme ta gueule! T'es rentré, tu t'es caché en bas du lit ou je sais pas ce que t'as fait. Fallait lui dire j'ai le droit de chanter, je suis dans mon balcon. Bah fallait lui dire quoi? C'est toi l'homme. Mais vu que t'as jamais servi à rien. Bon, je le sens pas cette vidéo. Tu penses qu'on a fini la vidéo YouTube ou tu pas? Tu te souviens de la période? Attends, tu te souviens de la période où tu mettais la chapka à Marrakech? Ouais. 5 degrés. Ouais. Oh mon dieu! Une grosse chapka bien fourrée. Les filles, wallah, qu'il y a une période où il n'enlevait pas sa chapka de sa tête. C'est-à-dire qu'il mettait sa chapka en tout lieu. Ils savent ce que ça veut dire une chapka? Tu peux, s'il te plaît, Ibrahim, montrer c'est quoi une chapka? Et Ibrahim, il aurait pensé avant même que vous lui dites arrêtez de sous-estimer, Ibrahim! Ibrahim, il va lui mettre une chapka sur la tête pour lui montrer. Voilà. Il transpirait à grosses gouttes. Il avait beaucoup de cheveux à cette époque. Il en avait jusqu'à. Il faisait la frange sur le côté. Mais pourquoi tu faisais ça? Et il avait un t-shirt, hein. Il avait un t-shirt short et il mettait une chapka.
Pourquoi tu faisais ça? On veut enfin savoir. Je trouvais que c'était stylé. De mettre une chapka à Marrakech. Parce qu'à Marrakech, personne n'était stylé. Parce qu'à Marrakech, personne n'était stylé. À Marrakech, il y avait Il dit non. À Marrakech, il y avait personne qui mettait une chapka. Donc moi. C'est une chapka, non? C'est comme les Dayoud. Une chapka? On dit quoi? Une chapka? Une chapka pour les Marocains. À Marrakech, il y avait personne à 40 degrés qui mettait une chapka. Moi, je me suis dit, si je mets une chapka, je veux pas passer inaperçu. Personne fait ça. Et moi, j'aime bien faire des trucs que personne fait. Oh là là. Voilà pourquoi j'ai mis une chapka. Pardon de le dire. C'est important, je vais y aller. Eh, j'avais une bonne idée, je regrette. On est venus. Je voulais ramener des ardoises pour faire un test d'orthographe. Et vous allez vous fendre la poire. Oh mon dieu, son point faible, test d'orthographe. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, Sarah, est-ce qu'il y a, dans mon prénom, ah, est-ce qu'il y a un C ou un K? Oh là, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Il avait pas 5 ans. Non, il avait 28 ans. 28 ans. Ça aurait été trop drôle. Si vous croyez à ça, vous croyez à tout et à n'importe quoi. Toujours qu'il croit. Si vous croyez à ça, vous êtes manipulable. Mais wallah que c'est vrai. Alors, t'as juré en Allah que quoi? Wallah, l'adam que c'est vrai. Que quoi? Tu veux que j'appelle tout de suite quelqu'un mais qui me confirme quoi? Mais de quoi? Que tu m'as appelé, ça, tu m'as appelé dit... pour me demander parce que tu as rédigé pour une fois de ta vie et tu m'as dit ce que dans mon prénom il y a un C ou un K. J'appelle, il me drôle. Il plombe l'ambiance, le frérot. Non, pas du tout, c'est juste que... Bon, on a fini la vidéo. Mais non. On vient de commencer. Non, mais pour que tu fasses le concept. J'espère que ta caméra ne filme pas. Non, j'ai tout fait pour que tu sors hors du cadre. Super. T'as une autre anecdote? J'ai une anecdote. Ouais, mais excuse-moi. Ah. Si, vas-y, c'est quoi? C'est vrai qu'on était petits. Non, Ibrahim. Ouais, ça ouf, ça ouf. Il est fou, lui. Willy, j'ai honte là même devant Ibrahim. Heureusement que c'est. Non, mais c'est un jeu de mots, c'est pas. Ouais. En gros, tu quoi, c'est tout. Oui, mais j'avais quel âge? J'avais 3 ans. Oh, t'avais 8 ans, 7 ans. Bref. On pourrait dire quoi? Ibrahim, s'il te plaît, sors ça de ta tête. Bon. Ouais. En fait, si on parle normalement, ça va le faire. Ok, bah on parle de quoi? Bah détends-toi déjà. Attends, non, ça je vais faire dans ma vidéo. Il est pas habitué à la caméra. Il est pas habitué aux objectifs. J'ai un compte où j'ai 53 000 abonnés et un autre à 70 000,5. Donc si je suis pas habitué, c'est quoi être habitué? Ouais, moi je vis pas pour eux. Je veux qu'ils pensent tout le contraire de moi, tout le mal de moi. Je m'en fous. Par contre, je me suis calmé sur les insultes et tout. Mais pour me donner une bonne image. Intelligent. Non, là j'insulte plus personne comme avant. C'est vrai? Là juste que je parais arrogant. Ah oui, non, je te jure. J'ai fait attention à mon image maintenant. Wallah. Avant, tu sais pas ce que je faisais. J'insultais à droite et à gauche. Non, là je fais très attention. Mais pourquoi alors que de base t'es gentil? Enfin. Je préfère que les gens me détestent qu'ils m'aiment. Pourquoi tu changes d'intonation de voix, chef? C'est un truc que j'ai pas. Il parle comme ça près d'un autre coup, il fait chaud. Ça va? Et une fois avec la petite Cota, on mangeait, on était tout petits. Je sais pas si tu t'en rappelles d'ailleurs, une vraie histoire. On était dans des sièges bébés. D'accord? On était face à face. Je m'en rappelle très bien. Je devais avoir 4 ans, toi 3 ans, quelque chose comme ça. À un moment donné, on mangeait des captels magiques. Poisson pané avec de la purée. Très 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 bon. Et à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, elle prend la fourchette, elle me l'envoie. Et je vous jure, j'avais 4 points de. Wow. Comme ma casquette, t'as vu les pics de la casquette? Mais en mode vrai. Véridique. Et normalement, ça aurait dû jamais faire ça. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle, mais je l'aurais déjà raconté. Pourquoi tu me fais? Oui, t'étais pas là. Mais je l'ai déjà raconté. Elle m'a raconté ça. Kenna, elle croit trop que quand elle était même pas née, elle croit toujours qu'elle était là. Oui, je m'en souviens. Ouais. Toujours, elle est comme ça, elle. Je lui ai envoyé un. Et normalement, ça aurait dû tomber et pas lui faire les 4 trucs. Mais pourquoi je t'ai fait ça? Mais pourquoi je t'ai fait ça? Je crois que t'allais reconnaître. Après toutes ces années. Pourquoi? Vas-y, j'avais 4 ans. Qu'est-ce que tu me foutais la haine? T'étais en train de m'insulter. T'étais là, tu m'insultais, tu me faisais ça. Ouais, tu faisais quand maman elle tournait le dos, tu me faisais ça. T'arrêtais pas de me faire ça. Après, j'ai pris la fourchette, je l'envoyais à la haine. Mais comment tu te rappelles des trucs 4 ans, toi? C'est comme ça, ouais, je te jure. Mais c'est vrai, on était vraiment très petits. On était vraiment. Mais allez, à 3 ans, on mange pas des poissons panés. Si, Captain Magic. On avait des bâtonnets de poisson. Ah ouais, bah peut-être. Ouais, mais je me souviens que c'était il y a très, 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 très longtemps. Il avait les 4 trucs, 4 points de sang. Moi, je me rappelle une fois, Sarah, la petite Cota. Alias. Tu peux m'appeler Sarah. Hein. On est rentré à la maison. Elle a découvert une bouteille. Elle est partie fumer en fait dans des placards. Elle a découvert. Mais c'était pas des placards non. de.
Ils étaient, la bouteille, elle était là parce que non, non. Parce qu'elle faisait le ménage. Ah oui, ah, la bouteille, elle était par terre parce que notre mère, paix à son âme, elle faisait le ménage. Et je sais pas ce qu'il... Moi, je savais que c'était un... Dans la bouteille, il y avait du produit, tu vois. La Javel, hein. La Javel, la Javel. Elle, elle a fait quoi? Don't you know, Pampera. You that you Pampera. Don't you know, Pampera. Je me souviens de la douleur. Ah! Non, mais t'as voyé? Non, mais attends, tu es là, tu viens de montrer à quel point t'es mauvais. Tu savais qu'il y avait de la Javel et tu m'as laissé boire. Tu... C'était évident. Mais pourquoi tu lui as pas dit qu'il y avait de la Javel? Hein? J'ai été tellement choqué. Comment tu veux dire quelqu'un? Il y a de la Javel! Vous savez, ça m'a brûlé l'œsophage, ma mère elle est venue en criant. On est parti en urgence. Et ouais, je suis allée aux urgences, ils m'ont fait un lavage de l'estomac et je me souviens de la douleur, elle est incroyable. Je sentais que ça me déchiquetait. Ça me déchiquetait partout. Ouais, c'est vrai, ça c'est une anecdote. Eh, tu te souviens en fait? Ouais, je me souviens. Viens, on raconte une anecdote avec elle. Avec Suki. Ouais, c'est bon, moi j'ai une anecdote avec Suki. Hein, moi j'ai une anecdote, mais il va culpabiliser, je m'en fous tellement. Eh, t'étais mauvais quand t'étais petit. Vas-y. Tu te souviens? Non, je vais pleurer. Oui, quand je me suis fait frapper? Pas du tout. Ah. Juste avec Sisu, on va être hardcore. Coupe Ibrahim pour pas qu'il croit qu'on est famille. Hein. Sisu, on doit parler de quoi? En fait, les anecdotes, c'est de me salir. Laisse Ibrahim. Laisse Ibrahim. Là, vous allez voir, Ibrahim, il est de quel côté? On va voir s'il va laisser. Hey, Suki, Sukaina, le jour où, ma grande cousine, elle m'a fracassé le dos parce que j'étais rentrée. Non, on parle pas de ça parce que tu vas dire que. Attends. Hey, Sukaina. Là, on va parler de Suki. Sukaina Mskina, en fait, elle était toute petite et c'est vrai que Mika et moi, on était un peu. C'est pas qu'on était méchants, c'est que. Comme c'était comme notre petite sœur, bah, des fois, on lui faisait un peu la misère. C'est comme avec notre petit frère, on lui faisait un peu la misère. Elle venait du Maroc, elle est revenue en France. Elle venait du Maroc, c'est vrai qu'elle aussi c'était une petite peste. Hein. Non, franchement. Un Maroc, non, j'ai jamais été une peste quand j'étais petite, c'est faux. Pas là, ce jour-là, non. Mais des fois avec moi, t'étais une petite peste. Je te jure que non. Et c'est vraiment mal me connaître que de dire que quand j'étais enfant, j'étais une peste. T'étais une enfant comme moi quand j'étais enfant. Je te jure que j'étais trop gentille quand j'étais enfant. Oui, oui, mais il y a juste des jours où. C'est normal, c'était une enfant comme moi, j'étais une grosse peste quand j'étais petite. Et ce jour-là, Mskina, elle voulait prendre des cornflakes là-haut et elle a demandé à ce qu'elle estimait être son grand cousin. De lui donner des cornflakes et du temps. Il y en avait un autre grand cousin. Il y en avait un autre, mais toi, ouais. Il t'a dit quoi? Vas-y, toi, dis. Il m'a dit, t'en auras pas. T'en auras pas. Et Mskina, elle a fait ça. Elle a baissé la tête et elle a pleuré. Il me laissait pas m'asseoir sur leur lit. À chaque fois que je voulais m'asseoir, il disait non, tu t'assois pas sur notre lit. Ça, c'est lui. Et à chaque fois, je m'asseyais sur le canapé et je les voyais jouer. Ils étaient sur leur lit, jouer et je leur dis, je peux venir m'asseoir. Ils disaient non, tu t'assois pas sur notre lit. C'est vrai. Je suis désolé, on était petits. Je sais pas. Pourtant, elle était gentille. 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 Bah. Bah ouais. Non, elle était gentille. Mais après, quand il a grandi, il s'est rattrapé. Il était grave gentil avec moi quand il a grandi. La période où on habitait ensemble, il était trop gentil. Merci. Il te rappelle quand on jouait à la GameCube avec le grand truc jaune? Oui. Et il venait tout le temps, il me rapportait tout le temps des bonbons de la boulangerie parce qu'il travaillait et à côté de son travail, il y avait une boulangerie. Ça appartenait à ton pote, non? Ouais. Et du coup, à chaque fois. Ça aussi, j'ai pas le droit de dire. Non, tu sais très bien, mais vas-y. Du coup, il me ramenait des bonbons tous les soirs. Il me ramenait des bonbons. Et des fois, en pleine soirée, il toquait dans la chambre. Il me disait, Sukaina, est-ce que t'as besoin de chips ou t'as besoin d'un truc? Je veux pas que tu descendes de ton lit. Je préfère moi te les ramener. Je sais pas si tu te rappelles, je t'ai offert le dernier Samsung à l'époque, le Note. Ouais, tu te rappelles? J'étais grave contente. Et il me faisait aussi, à l'époque, c'était une période où quand j'étais qu'à la maison et tout, et ben, j'étudiais beaucoup tout ce qui était tawhid et tout, et du coup j'écrivais des livres. J'écrivais des livres et lui, Mickaël, il me les imprimait au travail. Et il voulait. Et Mskina, il prenait des risques parce qu'au travail. À quoi je peux pas. Non, tu peux, tu sais. Il prenait des risques parce que dans son travail, bah voilà, ils sont pas. Enfin, c'est pas des musulmans. En fait, elle me demandait d'imprimer des choses religieuses, de la religion, des hadiths. Oui. Des hadiths, voilà. Dans mon travail, j'étais imprimeur à l'époque, imprimeur numérique, et je lui ai imprimé, et je lui ai ramené en livre, en format livre et tout. Et tu les reliais, voilà. Plastifiais. Tout ça pour qu'elle finisse comme ça. Non, ça se fait pas, wallah. Non, pardon. Ils vont croire que je suis une haramiste ou je sais pas. Non, quoi. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Je suis la même qu'avant, la seule chose qui a changé, c'est l'enveloppe. Exactement. C'est l'enveloppe, c'est tout. Tout est resté pareil. L'enveloppe. T'es une fille bien, moi, tu sais que je te connais dans la vraie vie, je sais qui tu es. Voilà, c'est juste. T'es stressée ou quoi depuis tout à l'heure, tu touches au truc. Non, voilà, je peux. Mais en tout cas, voilà, ouais, il s'est rattrapé. Et pareil, Sarah s'est rattrapée, bah, vous voyez bien. Mais pourquoi vous mettez dedans? Non, mais pour dire, genre, oui, c'est quand ils étaient enfants, c'est vrai qu'ils étaient un peu méchants avec moi, mais en grandissant, nos relations. Mais pas moi, juste lui, moi une fois. Si, toi aussi un peu. Et elle aussi, je lui disais, Sarah, est-ce que tu peux me passer des feuilles blanches pour que je dessine? Elle disait, non.
Mais parce que je venais d'arriver du Maroc et tout, ouais. Et je lui disais dis soleil, il disait non, je dis soleil. Et c'est comme ça. Elle voulait pas. Ou quand je lui donnais. Non, parce qu'en gros, il se moquait de moi parce que j'avais un accent, parce que je disais le soleil. Et après, il disait soleil, soleil. Et ma mère, elle venait, elle disait oui, c'est le soleil. Elle disait parle à maman. Parle, non, parle à maman. Parle à maman. Non, ah, ouais. Toi, tu te souviens pas quand elle faisait ça? Non, c'est pas ça, c'est vous qui faisiez qui me parle. Ah, ça, je m'en rappelle. Qui me parle. Ah, il m'énervait quand il faisait qui ça. Me pend, qui me pend, qui me pend, qui me pend. Et genre, ils avaient une langue, genre qu'ils parlaient entre eux et que moi, je comprenais pas, genre. Alors qu'en fait, ils parlaient juste comme ça, vous voyez. Ah oui, c'est vrai, voilà, j'ai oublié ça. T'as oublié? C'est vrai, c'est vrai. Elles veuillent que je ne parle pas, Yen. Voilà, et moi, je pensais vraiment que c'était une langue. Donc, je disais, mais c'est quelle langue vous parlez? Et ils étaient là, on ne peut pas te dire la langue qu'on parle. Et moi, j'étais là. Et au final, quand on a grandi, c'est ça, vraiment. Voilà. On a une langue ouais. Que toi tu comprends pas. Ouais. Voilà. Ouais, jusqu'à maintenant. Ouais. Jusqu'à maintenant tu pourras jamais comprendre. Et par exemple, on lui donne un exemple. Tu vas entendre Falcon Brax. Non, il va comprendre direct. Par exemple. Ah oui, attends. Pourquoi tu regardes En fait, on a peur parce que vous pensez que vous nous comprenez. Ouais, parce que vous allez comprendre et j'ai peur qu'ils après comprennent, mais j'aurais pu. Relais le word le studio. Ah, arrête, arrête. Je vais me rime. Elle a pris une feuille, elle lui a ni. Elle a dit quoi là? On va voir quoi? Si tu comprends notre langue, vas-y. Quoi? On va se rime. Tu veux me faire passer, tu veux me dénigrer, tu veux quoi en fait? T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris. Non. Wallah. J'ai compris. Bah, c'est bien. Bah, je compte pas pour toi. Inch'Allah, ouais, Inch'Allah. Qu'est-ce que je te dise? Mais non, mais attends, attends, c'était une blague. C'était une blague, oh bien sûr que non. Mais bien évidemment que non. Mais je suis sûre que c'était une blague. C'est, en fait, c'est pourquoi. Bon, je sais pas quoi dire. C'était une blague, c'était une en blague. En fait, tu comprends notre langage. Ouais. Ça m'arrive. Willy, mais ça veut dire que tu t'es bizarre. Ah, je suis bizarre parce que je comprends. Bah, je suis sûre, désolée, mais on veut se rima. Personne va comprendre. Personne va comprendre ça. On c'est pour ça que j'ai dit un truc honteux comme ça. Je me dis, il va pas comprendre. Willy. Là, je l'ai vraiment sous-estimé. Hein. Ouais, je remonte dans mon... Ouais, tu fais du 33 ou quoi? Je fais du 36. Et toi, tu fais du combien? 37 et demi. 38 des fois. Et toi? 41. Je dirais du 39. 41. Je dirais du 38. Non, rigole. Elles sont belles, tes drogues. Merci. Ouais. Bon, les copines, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas trop préparé, on n'avait pas trop de concepts. On s'est dit, bon, on y va et on parle normalement. Mais ça nous a fait plaisir. On n'a rien préparé, on est venu spontané, on a dit des trucs. Voilà. Ne parle pas avec Chitoki. S'il te plaît. Mais par contre, je suis trop reconnaissante d'avoir un studio. Et si vous aimez la qualité et que vous aimez le format, on pourra faire souvent ce genre de vidéos. C'est juste que j'ose pas demander des studios et tout. Mais si vous vous aimez bien et que vous, en gros, vous nous encouragez, vous me dites, bon, Sukena, c'est trop bien, on préfère ce genre de vidéos et tout. Bien sûr, il y aura toujours les Wikivlogs dans ma voiture et tout, ça va être toujours pareil. Mais si vous aimez bien, on pourra souvent faire ça. Inch'Allah. Vous avez aimé, vous? Ouais. Moi, j'ai aimé, okay. Moi. Ok. Bonjour. Merci de ton accueil. Attends, merci de ton accueil. Merci de ton accueil. Bisous, petite Sookie.